C'est parti pour une nouvelle journée. Alors là, on est en plein mois d'août. On est autour du 15 août. On a eu un peu d'eau la semaine dernière. Donc on a de l'eau à 16 degrés. Ils annoncent un temps magnifique, chaud, pas de vent. Donc ça va pas être des conditions simples. Allez, c'est parti. On arrête hyper discret. Bon, ça commence mal. Je viens d'arriver sur le spot. Il y avait une quinzaine, voire une vingtaine de harves qui est en train de pêcher, donc je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis ça va pas être super pour commencer. On va aller voir ça. Ouais, poisson. Allez, premier poisson de la journée. Un gros ombre, un bel ombre, un joli ombre. Ah, ça fait plaisir. Yes, yes, yes. Faut bien démarrer la journée là. À décrocher. Bon ben voilà, premier poisson touché. Décroché, quand même pas évident. Je pense que les harles ont foutu le bordel, mais on s'y remet, ça fait plaisir. Allez, oui, poisson. Voilà, un petit ombre décroché. Allez, décroché, c'est le deuxième. Poisson. Ouais. Ouais. Allez, non, bonne truite. Petite truite. Allez. Cool. Yes. Ouais, elles ont la patate. Hein. Voilà. Génial. Piqué juste au bord des lèvres. Allez. Yes, allez, on va continuer. Bon, sur ce deux premiers courants, je touche 5 poissons. C'est bien, mais je pense que les harles ont vraiment foutu le bordel. Ils sont par bande de plus de 10, entre 10 et 20. C'est sur des rivières qui sont fragiles, c'est compliqué, mais bon, c'est la nature. Allez, on va aller changer de secteur. Poisson, voilà. Là, je viens de me prendre une cartouche là. Oh. Ah oui, là ça tire là. Plus joli que ce qu'on a fait. Regardez la canne là, comme elle plie. Moi, je suis en 12 centièmes et elle est tranquille. Ça a pas l'air vilain. Ah oui, j'ai vu les reflets là, c'est une truite. Ouais, c'est la plus belle de la journée. J'espère pouvoir vous la montrer. Allez, allez. Oh, ça brasse, poisson de 45, hein. Doré. Yes, yes, yes. Je vais vous montrer ça. Regardez ce poisson là. Magnifique. Super, même une belle cartouche. Allez, on va faire un release. Ah, ça a tout pété. Ah, je suis deg. Ah là là, elle était énorme. Vraiment grosse, hein. C'était un poisson de 60. Ah, je suis dégoûté. Mmh. Putain, j'ai tout vu en direct, c'était magnifique. Allez, bon bah, c'est comme ça. Oui, 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 belle truite. Wow. Elle me met la misère, elle part dans les branches. Wow. Magnifique. Elle est
était là, là, dans le panneau, je l'ai faite à vue encore. Belle frite. Il y a un écart énorme pour venir chercher. Allez. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Oui. Yes. Elle est bien petite que celle que j'ai loupée tout à l'heure. Mais c'est la plus belle de la journée, ça c'est splendide. Hein. Allez, on va faire le release. Yes, 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 yes. Waouh, heureusement que je le fais celle-là. C'était splendide. Elle a fait un écart de dingue. C'était impressionnant à voir. Impressionnant. Le combat était énorme. Et du coup, bah, ça me permet de moins regretter la grosse que j'ai loupée tout à l'heure. Qui m'a cassé. Magique. Magnifique ces poissons. C'est une drogue. Oh, j'en ai vu une là-bas. J'ai essayé de la pêcher. Poisson, mais c'est pas du tout celle-là que je voulais. C'est tout petit ça. Trop bien de voir ça. Allez, repart. Hop. Oui. Putain, le gros homme du coin là. Magique, magique, magique. Il y allait sans se poser de questions. Magnifique. Allez. Ah, il est beau celui-là. Allez. 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 Oui. 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 Oh bien, magnifique. Et juste sur le bord. Splendide. Je suis arrivé sur un beau secteur, il y avait plusieurs poissons, des truites, des ombres, il y avait notamment un gros ombre là, pas du tout actif. En fait, il a vu ma nymphe, il a été comme un dingue. Voilà, un beau beau poisson. Allez, on va les remettre un coup là. Il y a d'autres poissons, il va falloir être très discret. Ouais. Là j'ai trouvé la nymphe là. C'est vraiment minuscule quoi. C'est le deuxième poisson là que je fais avec cette nymphe. J'ai essayé plein de choses. Pouah, comme c'est compliqué. Je suis en 10 centièmes, du coup le poisson est joli, faire gaffe. Ah. Hop là. Un beau poisson. La nymphe a vu. Allez, fin de la session. Ça va être l'heure de rentrer. Avec ce beau poisson, on l'a pris côté de la voie du chemin. C'est terminé, je me rentre. J'espère que ça vous a plu, c'était une journée quand même vraiment rude, mais là sur la fin de session j'ai vu des beaux poissons faire des beaux écarts. On est décroché, cassé, j'en sors quand même une belle. Voilà, encore une sortie riche d'enseignements. Allez, ciao.